ça va être un vlog exclusivement sur la Grande Muraille de Chine. Je voulais prendre le temps pour admirer vraiment cet édifice qui a été construit bien avant Jésus-Christ, qui a été repris aussi bien longtemps après par la dynastie Ming. C'est vraiment impressionnant d'être là et c'est vraiment énorme de l'avoir en vrai. On va aller tout là-haut. On va essayer de faire les deux parties du mur. Certains disent 9000 km et d'autres 21 000 km de long. C'est des conneries, on la voit pas depuis les satellites. Question de 9 mètres de haut et de 6 mètres de large en moyenne sur la plupart des parties de la Grande Muraille de Chine. Ça part un peu en couille. Là, on est un peu trop resté longtemps sur cette marée. Maintenant, on cherche des trucs à faire là. Ça part en tout et n'importe quoi là. Sur la Grande Muraille, on est venu ici vers le milieu de l'après-midi et finalement vous voyez, hors saison, il n'y a que nous là, on est en fin de journée, il reste que nous sur le site. Ça c'est le site de Badaling, il y en a trois autres encore près de Pékin. Celui-là apparemment c'est le plus touristique parce que c'est là où ils ont fait le plus de rénovation par rapport au mur. Les autres qu'on pourra vous proposer aux alentours de Pékin, ce sera un peu plus dans son jus on va dire, mais tout dépend de ce que vous avez envie. Tu croises vraiment de tout en Chine. Tu te dis vraiment tout peut t'arriver. On sort de la muraille de Chine, on est parti pour aller à la gare pour reprendre notre train. Et t'as un chameau sur la route.